Est-ce que vous transportez des produits stupéfiants? J'ai juste du cannabis, ça va? Vous me donnez ça immédiatement, monsieur. Je vous invite à sortir du véhicule. Je suis arrêté? C'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la douane. On est sur l'autoroute A1, l'une des plus grosses autoroutes du nord de la France. Avec les douaniers, on va arrêter des camions, arrêter des voitures et essayer de trouver de la drogue, des armes, quelque chose d'illégal. C'est parti pour la vidéo. Thibaut, bienvenue sur l'autoroute A1. Merci beaucoup. On va travailler sur les camions. Donc l'autoroute A1, c'est 150 000 véhicules par jour. Okay. C'est énorme. Environ 20 000 camions. Là-dedans, il y a plein de fraudes. Il y a aussi des chargements légaux, bien sûr. C'est pas facile de trouver les bons. On va avoir besoin de ton énergie, bien de sûr. Ton flair. Compte sur moi. Et première étape, tu vas aller faire de la sélection. C'est parti. Lui, on va l'arrêter le camion. Ouais. Monsieur, bonjour, la CMR s'il vous plaît. Donc là, on va faire un contrôle du véhicule, le camion qui est juste ici. Là, tu fais un contrôle des documents, c'est ça? C'est ça. Le trajet, ce qu'on trouve à l'intérieur du camion, que des pièces automobiles. Merci. Merci, au revoir. Comment tu sélectionnes le camion? C'est le flair du douanier. Je regarde la plaque d'immatriculation. En fait, au niveau du document, je regarde le trajet qui peut potentiellement m'intéresser. Donc, on a des destinations qui sont un peu plus intéressantes. Espagne, Pays-Bas. C'est un métier dangereux, non? Parce qu'on est à côté des camions, là. Ah, il faut faire attention, faut ouais. Faire attention, il faut bien ouvrir les yeux. Là, on a Portugal. C'est ça, camion frigo. Et top. Bonjour. CMR, s'il vous plaît. Merci. Là, il transporte quoi du coup lui? Des légumes congelés. Y a un truc qui te semble bizarre ou... Non, ça a l'air d'aller. Merci monsieur. Merci, au revoir. À quel moment tu prends la décision de te dire on le contrôle ou pas? On a des indices, hein, si la destination ou la provenance elle est un petit peu sensible, okay. Bah, ça me semble correct également. Merci. Bonjour, CMR s'il vous plaît. Voilà. Merci. Un camion qui fait un trajet Espagne-Hollande et qui transporte des cartons de textile. À checker celui-là? Contrôle. Donc là, on a envoyé le camion bleu se faire checker. Donc là, Cédric, du coup, qu'est-ce qui se passe là? Là, je lui demande la CMR, t'as la date de son chargement, c'est cohérent, il l'a récupéré hier. Permission de conduire. Faut savoir parler un peu espagnol, toutes les langues un peu? Un petit peu toutes les langues. Tous les routiers, par exemple, ne parlent pas anglais. Certains pays de l'Est, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ok, bah ouais. On va passer à la visite de la marchandise. Vous nous suivez, s'il vous plaît? Bon bah ça va ramper là. Ah ouais, c'est gros pactage là. Est-ce qu'il y a vraiment des habits? Alors. Ah ouais, on ouvre vraiment à l'ancienne. Ouais, je fais une fenêtre, ça a l'air d'être du textile déjà à première vue. Et après on peut jamais savoir si au fond il y a vraiment des trucs ou pas. Si t'as des gros doutes déjà en fonction de tout ce qui est documentaire, l'état du camion, tout ça, on peut débâcher le camion et regarder la marchandise déjà sur les niveaux latéraux, l'amener sur des plateformes de déchargement et décharger tout le. Ah ouais, ça arrive des fois de tout décharger tout complètement. Tout le contenu, ouais. Ah ouais, waouh. Donc là visiblement. Y a rien, mais rien ne me dit que. Bien sûr. Fond, c'est aussi du flair quoi derrière. À première vue, c'est pas nécessaire d'aller plus loin. Ok, donc là il y avait que du textile visiblement, donc on va continuer. La sélection des camions. Du coup, Jean-Luc, tu as enlevé le scellé, maintenant tu remets le scellé, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement, ouais. Pour qu'il soit dans les règles, pour qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée. Parce que des fois, ils pourraient penser que c'est le chauffeur qui a ouvert le scellé. Qui a piqué du matériel. Qui a piqué du matériel. Hein. Donc, il n'y a pas de Kalachnikov dans celui-là? A priori, non. Là, tu fais des nœuds. Voilà. Et maintenant, tu vois, on va un plomb métallique. C'est ça le scellé, en fait, c'est ça? Et voilà. Ok, il y a un nouveau camion qui vient d'arriver. C'est un camion de fruits et légumes. Ça vient du sud de l'Espagne. Et apparemment, il peut y avoir un gros trafic de cannabis. Il paraît même que des fois, le cannabis est caché dans les melons et dans les fruits. Et on va le contrôler, c'est parti. On est en possession de la CMR. On va vérifier dans nos fichiers qu'une des sociétés présentes ne soit pas déjà connue défavorablement. Savoir si l'entreprise a déjà eu un passif ou pas. Voilà, ok, cool. Le conducteur du camion, il nous regarde bizarre. À mon avis, ça sent quelque chose là. Le transporteur, il est a priori là. Il est sage. Okay. La fraude, elle peut être organisée par le transporteur, par l'expéditeur ou le destinataire. Pour l'instant, ça part sur pour l'instant, chose. C'est bien, ça n'empêche pas le contrôle quand même. S'il n'y a pas de précédent, ça peut être un point de départ aussi, une fois n'est pas coutume. Bonjour, on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on veut de la drogue? Donc on va fouiller celui-là? Alors, on va faire le chargement, mais un camion, ça se fouille globalement quoi. On peut en trouver là aussi. Hein. C'est une sorte de coffre ici? Ça, c'est un coffre. Généralement, ils mettent des palettes là-dedans, de quoi faire la cuisine. Comment tu procèdes du coup là? Là, faut faire un peu de flexion là, et a priori, il n'y a rien de flagrant. Hein. Ouais. Tu as vu comment décrypter une CMR? On a 22 bobines de papier, à l'intérieur, il faut qu'il y en ait 22. S'il y a un objet en plus, il n'est pas déclaré là. Hop. Donc c'est parti pour l'escalade. On peut monter dessus, hein. C'est du rouleau de papier. Ok. Pour voir si elle est 22. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On cherche une faille éventuelle, tu vois, un truc bizarre. Avec l'expérience, les remorques, on voit un peu comment elles sont foutues. Il y a qu'ici où on pourrait mettre des choses, par exemple. Est-ce que c'est un métier ou il faut être curieux? Il faut être inventif. Patient. Ça tombe pas comme ça tous les jours. Hein. Le but, c'est pas tout massacrer non plus. Mais... Ouais. Non, je vois le fond. Rien de spécial. C'est bien creux. Ok. Pour l'instant, RS, on va quand même débâcher sur le côté pour être sûr. Voilà, comme ça.
Ouais, on a un chauffeur qui maîtrise, qui s'y connaît, ouais. Qui est sympa. Merci. Après, c'est chiant clairement de débâcher un côté. Faut tout remettre et tout après. Des fois, il traîne un peu des pieds, ouais. On le comprend, mais quand on a un chargement qui est vraiment compliqué, on n'hésite pas à faire ouvrir un côté. Tant qu'on peut, on y va en fait. Ok, ça marche. Donc tiens, on ouvre sur le côté, donc pareil, on peut analyser un petit peu, on peut regarder. C'est ça, bah, l'avantage du débâchage, c'est que bah, t'as une vue d'ensemble, on va dire. Quand le chargement est complet, en fait, quand tu ouvres derrière, tu vois que ce qui est appareillé. Ouais. Donc ton regard, il se porte où un peu du coup là? Ce qu'on n'a pas vu en montant dans le camion là. Ça semble clean, vision. Ouais, là on a une belle vision d'ensemble, ouais, oui, ça semble ok. Donc ce camion là, il est clean, on va passer au prochain qui nous attend juste après. Dites-moi dans les commentaires quel prochain métier vous aimeriez que je teste. Du coup, Kevin, qu'est-ce qu'il a ce camion alors? Ce camion, il transporte des fruits et légumes. Il fait Espagne, il monte en Hollande. Donc pour nous, c'est un flux particulièrement sensible. Il y a très peu de place pour passer. Ah ouais, il va falloir vérifier là-haut. Pour une organisation de fraude, c'est particulièrement intéressant pour eux parce que nous, les frigos, on peut pas les ouvrir sur les côtés. Faut qu'on réussisse à accéder au chargement. Ah ok, donc on va escalader les melons. Exactement. On est parti? Allez, let's go. Ouh, il fait froid un peu là. Et c'est pas fini. Plus on va avancer, plus il fera froid. Ok, là, il y a Victoire qui va essayer de passer. Ça, c'est un cas de figure classique. Même des fois, c'est plus haut que ça, on peut pas du tout y accéder. Dans ces cas-là, on a d'autres méthodes, on a des scanners, etc. Allez. Ok, ah putain, ouais. Ok, allez, let's go. Tac, tac, tac. Allez. Oh. Allez. Faut pas écraser trop les melons, mais... On va pas pouvoir tous y aller. Ouais. Oh là là, test galère. Je pensais pas que c'était comme ça, c'est physique. C'est en plus les melons que le cannabis. Regarde, tâton. Il y a des tomates cerises, il y a des salades. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? J'en pense que là, ça va être compliqué pour nous d'accéder au fond. Donc là, ce qu'on essaye de faire dans ces cas-là, c'est de regarder l'uniformité du chargement, voir s'il n'y a pas un trou entre deux palettes. De ce que je vois, il a l'air à peu près uniforme. C'est bon là? Vas-y, t'es sur l'échelle. Parfait, merci. C'est vraiment serré. Alors, qu'est-ce qu'on fait la prochaine étape de ça? Idéalement, faire la cabine et continuer à étudier la CMR, voir s'il y a quelque chose qui cloche. Après, on avisera à savoir si on poursuit ou pas. Señora, ¿puedes salir de la cabina, s'il vous plaît, favor? Ça se fait souvent de contrôler la cabine. Quand on n'a pas accès aux marchandises, au chargement, ouais. Qu'est-ce que tu regardes, du coup, là? Là, on va essayer de trouver plusieurs moyens de communication qui pourraient, du coup, servir à communiquer avec une organisation de fraude, voire marchandises de fraude. Hein. Faut se montrer un maximum respectueux. D'accord, ok. Ouais, t'as le lit et tout, ouais. La couchette. Ouais, c'est vraiment un contrôle de toutes les affaires personnelles et tout, ouais. C'est ça. T'as déjà trouvé des trucs, toi? Dans une cabine? Ouais. Ouais. Il y avait un peu d'herbe. La lampadaire. Un peu de l'herbe. Ah, de l'herbe. La lampadaire, c'est rare. Ok, pour l'instant, rien de spécial. Bon, tout ce qu'on dérange, on le remet à sa place par respect. Donc on passe au prochain camion. C'est ça. C'est bon? Au revoir. Merci. De rien. Du coup, Victoire, qu'est-ce qui se passe là? On a vu un camion qui était arrêté ici. On a été attiré. Ah oui, il y a du cannabis sur le camion. Et en fait, le chauffeur a été un petit peu réticent. Et quand le chauffeur est réticent, généralement, à ouvrir le camion, c'est pas bon signe. On va aller voir où est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Sur la CMR, le nombre de palettes n'est pas indiqué, par contre il écrit le nombre de colis. En revanche là, les palettes par exemple, au bout t'en as deux qui sont à gauche, une qui est toute seule à droite. Le chargement est mal organisé on va dire, donc là on va aller voir entre chaque trou. Faut crapahuter encore un peu. Ça fait partie du métier. Donc là en fait ce que tu vois c'est qu'on est dans un frigo, ou du moins un ancien frigo. Ouais. Là on a le moteur du frigo, qui peut être aussi intéressant de regarder ce qu'il y a dedans. Après on fouille l'intérieur. Ouais, on essaie de voir s'il y a des traces, si les vis sont touchées ou ce genre de choses. Alors après, ce qui est intéressant de faire, c'est de se balader un peu, regarder ouais. Ce qu'il y a. Même sous les palettes et tout des fois ou... Au milieu aussi, ça peut être intéressant. Là, ce qu'il faut, c'est compter le nombre de cartons qu'on ouvre surtout. Ah ok, ouais, pour le stipuler après. Le chauffeur, déjà, il sera pas embêté avec ça. Certes, on ralentit les chauffeurs, mais toujours de le faire avec respect de leur profession aussi. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Ouais, on va pouvoir s'arrêter là. Du coup, Jean-Luc, ici, qu'est-ce que c'est alors? Une partie des marchandises saisies, des contrefaçons, de l'alcool et du tabac. Et la caverne d'Ali Baba, comme on dit. Exactement. Voilà, c'est là où on peut piocher et servir, bien sûr. Je rigole. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau ici du coup? Alors ici on a une saisie d'alcool. Ok. Il y a 600 litres de vodka. Vous avez chopé 600 litres d'un coup? Oui. Il partait faire une grosse soirée. L'alcool hein, avec modération. Et qu'est-ce que vous allez en faire de toute cette vodka? Alors ça va être détruit. Et là, du coup? Là donc c'était un voyageur à l'aéroport de Beauvais qui possédait des cigarettes en dehors des franchises. Ça ce sont des contrefaçons. Ah oui, Lacoste on voit là. Ça c'est pareil, c'est des contrefaçons d'habits, des ouais, maillots de des football. Des maillots de football, ouais. Là on a des chaussures, contrefaçons Nike, etc. Et là on a un sac aussi avec des contrefaçons. On le voit, Louis Vuitton. Pas mal de Louis Vuitton dans celui-là. Alors du coup, Victor, on reprend la voiture pour aller où là? C'est de l'autre côté du péage, dans le sens Lille-Paris. On va aller chercher les conteneurs. Suivant dans quel axe du péage tu te mets, tu n'as pas la même marchandise. C'est ça. On a la pince à sceller dans le train. Du coup, on la prépare à l'avance. Allez, c'est bon, parti. Monsieur, descendez du véhicule. Ah. Qui s'y croit trop, t'sais. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci. Bonjour. Parlez bonjour. Français. Transportez quoi? C'est des bagues, chaussures et sacs à main. Ok. Ouais. Bon, on va aller ouvrir. Pas tout de suite. Ok. Donc là, du coup, passe Monseigneur, c'est ça? C'est ça. Alors où est-ce que tu décèles? Ok. Tac. Ok. Et après. Attends. Je vais choper bien. Désolé, je suis stagiaire. Hein. Ah.
parce que juste par terre pour le numéro. Bon, là, on va avoir de monde, on a besoin de monde, parce que nous, on va aller les tirer là-haut. Ok. Et on va les descendre. Ah, ouais. On va travailler un peu plus. Ouais. On va faire une tranchée pour voir ce qu'il y a au fond, parce que là, forcément, à première vue, bah, généralement, si c'est les marchandises de fraude, ça sera pas. En fait, c'est un métier, faut pas avoir la flemme, en fait. Non. Si t'as la flemme, tu dis, vas-y, c'est bon, c'est trop haut et. C'est facile d'enlever. Ouais. Faut tout remettre. Et ça, c'est le plus compliqué. Est-ce que ça sent le produit illicite ou pas encore? Non, après, sauf si c'est sûr, on a de la contrefaçon. Il y a une école spéciale pour être douanier? Tu passes un concours. T'as une école pour te former au métier de douane. Et en combien de temps c'est une année de formation? Ça devrait pas être loin de 5 mois. C'est quoi les qualités, tu penses, d'un bon douanier? De la ténacité, tu vois, faut persévérer quoi. Du coup, Malik, c'est vous le chauffeur routier? Ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent ce genre de contrôle avec la douane? Ouais, régulièrement. Ouais. Combien de temps ça peut durer? Ça varie, ça peut juste l'ouverture des portes et des fois je me fais contrôler jusqu'au fond du conteneur. Ah ouais. Le plus longtemps que vous ayez été contrôlé, c'est combien de temps? Ouais, 3-4 heures. Ah ouais, du coup vous attendez. Ouais. C'est possible que le chauffeur routier, par exemple, transporte de la marchandise illégale, mais il n'est pas au courant. Bien sûr, on le prend sur le port, plombé, okay. Et on le ramène chez un client. Si en dedans, on n'est pas au courant. Et ça vous est déjà arrivé, vous, dans la marchandise illégale? Pas illégale, mais non conforme au cahier des charges. Et du coup, c'est saisi par la douane? Saisi, le conteneur est bloqué. Ouais. Ça va faire bizarre quand ça arrive. Jean-Luc, qu'est-ce qu'on a là? On a des contrefaçons. On dirait des broches d'une grande marque de luxe française. Ça, c'est du faux ou c'est du vrai ça? C'est du faux. Il y en a beaucoup? Quasiment 4000. Waouh, et c'est vendu où ça, tout ça? Sur les marchés, de la main à la main. Combien vous saisissez de marchandises à l'année? L'an dernier, il a été saisi environ 9 millions de contrefaçons. Ah ouais, ça chôme pas. Non. Du coup, Jean-Luc, on a un gros coffre-fort là? Pas de bijoux, pas d'argent, des stupéfiants. Ah oui, on sent les odeurs déjà. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est du cannabis qui a été saisi? C'est du cannabis. Ici, sont stockées les petites quantités. Ok. Ah oui, c'est des petites quantités ça? Ouais. Ça me paraît déjà énorme. Ça, c'est ce que vous pouvez trouver dans une voiture? Voilà, dans tout un à fait. Camion, exactement, dans une voiture. C'est quoi? C'est un peu tous les jours, vous en chopez un petit peu? Un peu tous les jours. Comment vous pouvez savoir si c'est pour de la consommation personnelle ou c'est pour du trafic? C'est soit pour la consommation personnelle ou pour le trafic, c'est okay, interdit. C'est interdit de base, ok. En tous les cas, c'est saisi, paiement d'une amende. Ok, donc du coup, là, j'ai rejoint Aurélien et Thierry. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire là concrètement? On va effectuer un contrôle dynamique dans la circulation, sélectionner un véhicule et on va le rabattre sur l'aire de contrôle. D'accord, et vous faites le contrôle à moto, c'est ça? C'est ça. Donc à tout de suite. Au revoir, petite GoPro. Monsieur, dame, bonjour. C'est le service des douanes. Vous parlez français? Oui. Qu'est-ce que vous faites comme trajet? Orange. Vous nous ouvrez le coffre, s'il vous plaît? Merci. C'est bon, madame, on va faire. Vous avez déjà été contrôlé par la douane? Première fois? D'accord. Vous avez le droit de tout fouiller, vous, c'est ça, du coup? Ouais. L'article 60, il nous permet de fouiller le véhicule comme si on avait une réquisition, par exemple, pour les gendarmes. Merci, madame. Merci, au revoir. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une plaque hollandaise, mais suspensive. Elle est immatriculée temporairement. C'est ça qui vous a un peu. Oui, il y a une immatriculation hollandaise et qui, en plus, va changer. Ok, ok. Potentiellement, ça peut être intéressant pour nous. Comment on devient un motard à la douane? Eh ben déjà, il faut avoir ton permis moto. Ok. Gros cylindré. Tu peux postuler quand t'es en douane et quand t'as le permis moto. Tu pars pour un stage de 4 mois et demi. C'est une formation qui comprend de la maniabilité, tu vois, comme un parcours moto. Ouais, je sais pas si t'as ton permis, mais. Et puis après, on doit faire 2 interceptions. D'expérience, toi, c'est quoi la plus grosse saisie que t'as eu à faire? On a eu la chance d'avoir une saisie de 112 kg 600 de résine. On est content quelque part quand on chope ça, du coup. Ah, bah, si t'es pas content quand tu chopes ça, faut arrêter de bosser en douane. Bah ouais. Dans les magies du cannabis, on va faire comme si c'est moi qui rouliais avec et qui en avait pour ma consommation personnelle. Monsieur le service de douane, est-ce que vous transportez des produits stupéfiants? J'ai juste du cannabis, ça va? Vous me donnez ça immédiatement, monsieur. Je vous invite à sortir du véhicule. Je suis arrêté? C'est comme ça que ça va se passer. Vous reculez, vous mettez face à la roue, on va vérifier qu'il n'y a rien de dangereux sur vous. Okay. Écartez les pieds, écartez les bras. Rien de dangereux? Non, désolé, je transpire un peu. Vous savez que c'est interdit? Est-ce que vous avez un justificatif? Mais j'ai pas le droit pour ma consommation personnelle. C'est strictement interdit, on va procéder à la saisie après avoir procédé à la fouille du véhicule. Et je risque une amende? Vous risquez aussi un emprisonnement. Pas en prison parce que j'ai ça sur moi. Au tribunal. Bon bah. Tant pis. Du coup, Jean-Luc, ici, qu'est-ce que c'est? Une chambre d'hôtel? On va plutôt appeler ça une cellule de retenue quand une personne est arrêtée. Il est placé ici pendant cette période de repos. La retenue douanière peut durer 24 heures, prolongeable une fois de 24 heures. Ah ouais, ça va pas être rigolo, 24 heures ici. Mais pendant que lui se repose, nous, on travaille. Exactement, voilà, c'est cellule de repos qu'on appelle ça. Voilà. C'est beau comme nom. Du coup, on est avec Noémie. Noémie qui est maître chien, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire comme exercice du coup là? Là, on va contrôler un parking, on va lâcher le chien. Et si le chien s'arrête sur un camion, on ouvrira. Ah ouais. Comment il s'appelle le chien? Rafale. Rafale? C'est une femelle. C'est la labrador femelle. Ouais, elle aura bientôt 2 ans. Allez, bah c'est parti alors. Donc là, il y a Noémie qui va faire une pré-visite. Elle va vérifier qu'il n'y a rien de dangereux pour le chien. Et après, on lâche Rafale. Ok, c'est parti. Allez. Ok, donc là, ça envoie. Leur fer, il est combien de fois plus puissant que celui des hommes? Beaucoup. Elle est en train de tordu, là. Celui-là, le camion rouge, là. Tous les chauffeurs des camions doivent être en sueur. Top. Ah, il a voulu partir, lui. La CMR, s'il vous plaît. Transporte quoi? Les pièces auto, c'est un trajet habituel.
va ouvrir quand même. Ça, tu veux ouvrir derrière? Ouais. On va ouvrir le camion bleu juste au cas où. Oh là, c'est galère. Ok, on regarde à l'intérieur. Bon, rien de spécial jusqu'au bout. Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus, je fais une vidéo avec le SAMU. Une journée en immersion avec le SAMU. 100 000 pouces bleus, let's go. Ok Noémie, on va faire un exercice. Du coup, qu'est-ce que c'est ça là? Donc ça, c'est de l'herbe de cannabis. C'est moi qui vais l'avoir sur moi et on va voir si Rafale arrive à la trouver. Ok, on va voir si elle a un bon flair. Donc là, j'ai du cannabis. Je vais le mettre dans ma poche comme si j'étais un consommateur, voilà. Ok, c'est parti. Ok, c'est bon. Pour l'instant, ça va, c'est un peu loin. Et là, il est là. Il se rapproche doucement quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, là, le chien, il s'amuse. Attention. Ok, il est passé à côté. Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ouais, c'est bien ça! Oui! Super! Et donc là, elle m'a bavé sur la poche, wesh. Franchement, ça a mis quoi, 2 minutes 30? Est-ce que je peux avoir mon papier d'identité, s'il vous plaît? Je suis un youtubeur, je fais des vidéos, j'ai le droit. C'est pour me détendre, c'est du cannabis pour se détendre. Ah ouais, ah, ça sort fort, hein. Moi, je préfère fumer de la whey, hein, mais... Ok, les gens, maintenant, on va faire du contrôle dynamique. Je suis dans la voiture de la douane et on va arrêter et contrôler des usagers en circulation. Ça va envoyer, là. Ok, let's go, c'est parti. Quel véhicule on cherche? Donc là, on se met au niveau du véhicule. Il a fait une tête bizarre, hein. Il est pas content. Première étape, on va poser des questions. Bonjour monsieur, service des douanes, vous allez où? Je vais aller à côté à Longueuil-Sainte-Marie. Ok. Voilà, t'entends pour le dépanner. Il n'y a rien de particulier dans le véhicule? Rien, je suis artisan. Ok, recule un petit peu s'il vous plaît. Tu contrôles un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, tu vois, ça correspond à ce qu'il dit, il est artisan. Tu comprends moi. Ok. Vous pouvez y aller. Bonne journée. Bonne journée. Et dans le questionnement, ce qui est important, c'est d'arriver à montrer que la personne raconte des histoires. Allez, on passe à la suite. Ok, bon, on y va. Allez, c'est parti. Quoi celle-là? Je sais pas. L'intuition. Ouais. Voilà. Y'a rien de particulier dans le véhicule? Pas de tabac, pas d'alcool? 4-5 boîtes de tabac. On va vérifier ça, sortez du véhicule s'il vous plaît. Vous êtes venu des services douane, police, gendarmerie? Ouais, je suis fan, il y a longtemps. Y'a rien dans la voiture là? Ouais, rien. Tu regardes un peu partout du coup, c'est ça? C'est ça, ouais. Sur le levier de vitesse. C'est ça. Tu les connais à force les gâchettes, j'imagine? Ouais, ils sont inventifs, hein. Maître Chien, il est encore à disposition. Donc là, on va faire intervenir le chien Rafale, savoir si bah, y a de la drogue, du cannabis, A voir. Ok, là c'est bon, c'est parti pour Rafale. Il a vérifié les pneus, les jantes, l'intérieur de la voiture, la sang. Sans l'intérieur du coffre. Donc le chien RS pour le chien. Est-ce que j'ai le droit d'avoir un gyrophare comme ça dans ma voiture? Alors non. Ah, d'accord. Clairement non. Mais j'ai pas gagné un gyrophare. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours. Et cliquez ici pour regarder notre vidéo. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum! Au revoir!